Le bureau politique présente ses condoléances les plus émues à sa très belle et chère épouse, à ses enfants biologiques, à la famille de l'illustre disparu, ainsi qu'aux sympathisants et tous ceux qui partageaient sa vision politique. En outre, le bureau politique exhorte l'ensemble des Congolaises et Congolais au calme, à la méditation et de demeurer à l'écoute et directive des orientations du parti. Ce qui m'anime en ce moment, c'est un sentiment de perte. C'est-à-dire que c'est une grande perte parce que c'était avant tout un frère et un ami. Et c'est lui qui m'amène à la politique. Donc aujourd'hui, c'est une grande perte. Et pour moi, c'est très difficile de l'assumer en ce moment. Je suis encore en train de me voir si je réalise réellement qu'il n'est plus avec nous, quoi.